monsieur le ministre, mon cher Bruno. Madame le préfet, si vous m'autorisez à me démasquer pour m'exprimer, je voudrais simplement, devant parlementaire meusien ici présent, madame Émilie Cariou, députée de Verdun, Franck Mélonville, sénateur de la Meuse, et sous le regard attentif et très qualifié de Samuel Hazard, maire de Verdun et président de la communauté d'agglomération, vous avez déjà rencontré Claude Léonard qui vous a parlé des projets de ce département. Je voudrais donc les remercier d'être présents et remercier les organisateurs qui ont rendu cette rencontre hebdomadaire annuelle de la jeunesse, de la presse et des grands thèmes possible. Les circonstances sont exceptionnelles. Le fait de s'être organisé dans ces conditions est l'expression d'une volonté de dialogue, d'ouverture, de compréhension. Et je sais que vous avez mobilisé plus de 2000 lycéens qui vont être informés directement pour ceux qui ont la chance de pouvoir venir, mais on a limité la jauge quotidienne et chaque jour la jauge sera en quelque sorte reconstituée et remplacée, et nous aurons par internet naturellement le contact direct avec l'ensemble de ceux qui ont préparé cette rencontre, et aujourd'hui cette rencontre plus particulièrement dédiée aux relations franco-allemandes, puisque nous avons la chance, outre d'avoir Bruno Le Maire qui est ministre de l'économie, et l'Europe est au cœur du soutien de l'économie actuelle de notre pays, Martin Schulz qui a été président du Parlement européen et dont nous savons que cette assemblée, qui est évidemment responsable, est actuellement en charge d'adopter et de transformer ce plan de relance que les gouvernements ont retenu, que la Commission leur avait proposé, que les gouvernements ont retenu et qu'il faut mettre en œuvre. Je me tais à cet instant pour vous remercier, cher Bruno, d'avoir, par votre présence, compte tenu de l'actualité qui est la vôtre, des responsabilités que vous exercez et des exigences de l'emploi du temps, maintenu cette rencontre pour montrer que la construction européenne était portée et sera en quelque sorte relayée par les générations à venir. Cet après-midi, vous faites le choix de la représentation nationale. C'est d'ailleurs pas un choix, c'est une obligation. Et ce matin, vous faites le choix libre, et nous y sommes sensibles, de parler à la jeunesse de cette construction. Mais c'est à la jeunesse qu'appartient la parole, après vous avoir entendu, cher ministre, cher Bruno. Bien, bonjour à tous. Je ne vais pas vous faire de grands discours. On est ici pour échanger. Et donc, je suis là pour écouter vos questions, essayer d'y apporter des réponses. Je voudrais simplement, peut-être en écho à ce que vient de dire mon ami Gérard Longuet, vous expliquer pourquoi est-ce qu'effectivement, un jour de présentation du projet de loi de finances, comme le sait Émilie Cariou, j'ai tenu à maintenir mon déplacement ici à Verdun. D'abord parce que j'ai beaucoup d'affection pour la ville de Verdun et je salue son maire, qui est une ville qui appartient à notre histoire, qui appartient à l'histoire européenne, qui appartient à l'histoire mondiale. Et également parce que je pense que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, notamment ce plan de relance non seulement national, mais ce plan de relance européen, qui a été voulu par la chancelière allemande Angela Merkel, et par le président de la République, Emmanuel Macron, est un écho à ce qui a été vécu ici à Verdun et à ce qui menace aujourd'hui l'Europe. Ce qui menace aujourd'hui l'Europe, c'est de nouvelles divisions entre États européens. C'est de nouveaux égoïsmes. C'est des États qui se disent, on va s'en sortir tout seul, on ne veut surtout pas payer pour les autres. Mais à un moment donné, si vous ne payez pas pour les autres, si vous ne faites pas preuve d'un minimum de solidarité, les autres se laissent aller au populisme, aux extrêmes, et à ce qu'on a connu dans l'histoire, c'est-à-dire à la violence. Un peuple à qui on n'apporte pas de réponse, et qui se retrouve avec 15%, 20%, 25% de taux de chômage, avec des jeunes de votre âge qui ne trouvent pas d'emploi, à un moment donné, ces peuples se révoltent. Si nous voulons éviter que l'histoire européenne se réécrive dans la violence, nous devons impérativement faire preuve de solidarité entre pays européens pour faire face à cette crise.
cette crise actuelle, elle est très violente. Très violente. Elle est violente d'un point de vue sanitaire et elle est violente d'un point de vue économique. Je parlais tout à l'heure avec le maire de Verdun, avec le sénateur, avec l'ensemble des responsables de ce Centre mondial pour la paix. Aujourd'hui, très concrètement, il y a moins de touristes à Verdun. Il y a beaucoup moins de personnes qui vont venir à Verdun visiter les sites historiques. Moins de personnes pour se rendre à l'ossuaire de Douaumont, moins de personnes pour arpenter la voie sacrée, moins de personnes dans le département qui vont prendre des nuitées d'hôtel, aller au restaurant, faire vivre la vie économique. Donc c'est un moment difficile pour tout le monde. Et l'Europe doit apporter des réponses concrètes à ces difficultés. Le plan de relance, c'est ce qui va permettre de relancer le tourisme, de relancer l'activité hôtelière, de relancer les déplacements, de relancer l'activité économique. Et n'oubliez pas également, parce que vous êtes tous ici très jeunes, donc je pense que vous avez tous vécu avec l'euro. L'euro a évité à l'Europe, au mois de mars, et je peux en témoigner non pas comme ministre de l'économie, mais comme ministre des finances, puisque c'est mon autre fonction, l'euro a évité à l'Europe la faillite. Ne l'oubliez jamais. Jamais, jamais, jamais. Si je peux emprunter comme ministre des finances sur les marchés, de l'argent qui ensuite va me servir à soutenir le restaurateur de Verdun, à qui je vais apporter 8 000 ou 9 000 euros. C'est parce que je peux emprunter sur les marchés de l'argent grâce à la Banque Centrale Européenne qui est derrière. Ce qui fait que l'investisseur, il me prête de l'argent en se disant « je vais acheter de la dette française » parce que derrière, il y a la Banque Centrale Européenne qui garantit la signature du ministre des Finances français. Donc ne pensez pas que tout ça, ce sont des sujets extraordinairement éloignés de vous. C'est votre quotidien, c'est votre vie quotidienne, c'est vos emplois. C'est votre avenir qui est en jeu. Si demain, vous pouvez aller travailler dans un restaurant à Verdun, dans un hôtel, dans de l'événementiel, dans une usine qui sera restée ouverte parce qu'on aura payé le chômage partiel, c'est parce que l'État français aura protégé les emplois par le chômage partiel, soutenu l'activité touristique par le plan tourisme qu'on a mis en place, soutenu l'ensemble des secteurs qui sont aujourd'hui menacés par la crise, avec de l'argent qui vient en grande partie de l'Europe et de la Banque Centrale Européenne. Si à un moment donné vous vous souvenez de cette crise, n'oubliez jamais cela. La France n'a pas fait faillite parce que derrière, il y avait l'Europe et la Banque Centrale Européenne. Et si aujourd'hui l'Europe tient bon, c'est parce qu'elle est solidaire. Les nouvelles guerres sont des guerres économiques. Les nouvelles guerres sont des guerres financières. Elles font pas autant de ravages, mais beaucoup de ravages elles aussi, et des ravages comparables à ce qu'ont connu nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Donc l'Europe est une solution, elle est un soutien, elle est une garantie de paix entre les peuples, et elle est une garantie de prospérité, et c'est ce dont on va parler tout de suite, tous ensemble. Merci à tous. Bruno Le Maire, journaliste d'un jour, est une opération d'éducation aux médias du groupe EBRA. Elle fête cette année ses 26 ans. Depuis 1994, ce sont plusieurs milliers de lycéens que nos journaux encadrent pour qu'ils vivent en immersion la réalité de notre métier. Alors oui, il y a les écrans et les réseaux sociaux, évidemment, partout, sur lesquels défile l'actualité en temps réel. Mais en préparant cette masterclass, les élèves de lycée généraliste et professionnel du Grand Est ont surtout compris qu'être journaliste demandait d'anticiper, d'être curieux et de rencontrer, même masqués, celles et ceux qui font bouger les quartiers, les villes, les départements, les régions, le pays et l'Europe. Bruno Le Maire, ces questions, souvent entre espoir et doute, sont celles de futurs citoyens et d'une génération qui s'interroge, qui vous interroge, Monsieur le Ministre, sur notre société et sur son avenir. C'est le thème de cette semaine exceptionnelle ici au Centre mondial de la paix à Verdun. On commence par une question de Maïlis, de la première Abibac du lycée Jeanne d'Arc à Nancy. Sie sprechen Deutsch bzw. Französisch, was meiner Meinung nach ein Vorteil ist. Jedoch wählen in Frankreich immer weniger Schüler die deutsche Sprache. Was könnte man dagegen machen? Donc vous parlez français et allemand. Et d'après moi, c'est un avantage. Cependant, en France, de moins en moins d'élèves choisissent la langue allemande. Et que peut-on faire contre cela ?
Ja, ich hatte die Frage sehr gut verstanden und ich werde auf Französisch antworten, aber ich glaube, das ist von höchster Wichtigkeit, Deutsch zu sprechen. Von höchster Wichtigkeit für alle französische Studenten, für alle französische Schüler. Und das ist ein Problem, dass weniger Schüler und weniger Studenten Deutsch können. Das ist für mich nicht nur ein politisches Problem, aber auch ein Wirtschaftsproblem für die Zukunft unseres Landes. Donc j'expliquais juste que pour moi c'était de très grande importance, comme le disait mademoiselle, que l'allemand reste une langue parlée par les Français. Je pense que c'est extrêmement important parce que on ne se comprend que dans la langue de l'autre. Vous verrez, c'est une expérience que vous ferez tous. Être à l'étranger sans maîtriser la langue étrangère, c'est nécessairement créer une distance. Si on veut comprendre l'Allemagne, bien comprendre l'Allemagne, il faut parler l'allemand. Et la compréhension de l'Allemagne est une garantie de force et de paix entre nos deux nations et pour l'Europe. Et je partage votre préoccupation de voir qu'effectivement, moins d'étudiants français, moins d'élèves français parlent l'allemand. Je considère que les territoires frontaliers ont une responsabilité particulière. Parce que vous avez besoin de la langue allemande, comme les Allemands ont besoin de la langue française. Et donc, il faut faire le maximum pour développer des écoles où on apprend l'allemand, des universités où on apprend l'allemand. D'abord, c'est une langue magnifique, c'est une culture magnifique, c'est une littérature exceptionnelle et qui reste une littérature exceptionnelle. Et vous y prendrez beaucoup de plaisir. Et par ailleurs, contrairement à ce que j'entends dire très souvent, ça n'est pas une langue si difficile que cela. Tout le monde m'explique, l'anglais c'est facile, l'italien c'est facile et l'allemand c'est difficile. Franchement, c'est n'importe quoi. Toutes les langues sont difficiles. Toutes, si on les parle bien. Évidemment, si on parle le sabir anglais qu'on peut pratiquer ici ou là pour se faire comprendre, très bien. Mais parler bien l'anglais, c'est très difficile. L'allemand n'est pas une langue si difficile que cela. Elle vous apportera beaucoup. Elle enrichira votre compréhension du monde. Elle vous donnera accès à une culture qui est une culture absolument exceptionnelle. Et elle permettra de garder le lien entre la France et l'Allemagne. Je veux juste apporter un petit témoignage particulier parce que on m'a demandé, par exemple, comment est-ce qu'avec Olaf Scholz, on était arrivé à tomber d'accord sur ce fameux plan de relance qui ensuite a été endossé par le président de la République et la chancelière. Je vous garantis que dans les moments de négociation difficiles, quand il est 6 heures du matin et que vous négociez depuis 12 heures sur des textes où il y a des enjeux qui se chiffrent en milliards d'euros, le fait de pouvoir prendre son homologue allemand par la main, dans un coin, lui parler seul à seul, dans sa langue maternelle, ça crée des rapprochements et ça permet de construire des accords. Donc je vous rejoins totalement, il faut que les élèves français et les étudiants français se remettent à apprendre la langue allemande. Martin, toujours en première abibac du lycée Jeanne d'Arc à Nancy, souhaite-vous vous parler du 3 octobre 1990 ? Donc, il y a deux semaines a eu lieu l'anniversaire des 30 ans de la réunification et je me demandais comment vous avez vécu la chute du mur de Berlin et ce moment historique en 1990. Alors, en 1990, j'avais votre âge, un peu plus vieux, 21 ans. Et j'ai été, comme tout le monde, à la fois bouleversé et totalement surpris par cette nouvelle. C'est comme Gérard, avec Gérard nous nous connaissons et nous apprécions, je crois, depuis des années. Nous nous étions faits à cette idée qu'il y avait deux Allemagnes. Nous avons grandi sous la guerre froide. Et nous nous étions faits à cette idée qu'il y aurait toujours un camp communiste et un camp occidental. Et que c'était une donnée de l'histoire avec laquelle nous devrions vivre. Et ça a été totalement bouleversé par ce 3 octobre, par la chute du mur de Berlin, par l'effondrement du bloc soviétique. Qu'est-ce que j'en retiens ? Les peuples font l'histoire. S'il y avait une chose à retenir, ce serait pour moi cette idée toute simple, les peuples font l'histoire. On apprend l'histoire avec les grands hommes, ils comptent, et pour moi les grands hommes comptent, les chefs d'État, avec les personnalités politiques, personnalités littéraires,
les personnalités de la culture qui pèsent dans le débat public, mais les peuples font l'histoire. Et ce que la chute du mur de Berlin nous a rappelé, c'est que vous pouvez avoir un régime communiste, vous pouvez avoir des dictatures, vous pouvez avoir des oppressions, vous pouvez avoir des régimes qui essayent de domestiquer leur peuple, qui les font souffrir, qui leur imposent de la violence, qui les privent de leur liberté. Au bout du compte, les peuples sont plus forts. C'est ça la leçon qu'il faut retenir, à mon sens, de la chute du mur de Berlin. Aya, maintenant, sur les liens économiques entre nos deux pays. Tant que le micro arrive à elle. Du coup, je me demandais à quel niveau les économies françaises et allemandes sont-elles complémentaires ? Et est-ce que vous travaillez en ce moment donc, pour développer cette complémentarité à d'autres niveaux, à d'autres échelles ? Alors oui, elles sont parfaitement complémentaires. Et surtout, il y a beaucoup de projets qui ne pourraient pas voir le jour sans cette complémentarité franco-allemande. D'abord, il y a beaucoup d'investissements français en Allemagne et il y a beaucoup d'investissements allemands en France. Je sais par exemple qu'ici, dans le département, il y a une fromagerie bavaroise, à ma connaissance, qui voudrait investir. J'espère qu'elle ira au bout de son investissement parce que c'est plusieurs dizaines d'emplois qui peuvent être créés sur le territoire. Et c'est important dans votre département d'avoir de nouveaux emplois qui se créent parce qu'un investisseur allemand vient. Ensuite, si on regarde des projets beaucoup plus importants, les grands projets ne peuvent plus être portés par les nations seules. Pour être très basique, c'est trop cher. Exemple, les batteries électriques. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, moi je suis un fan de voitures. Je viens de m'acheter une voiture électrique, 208. Dans la 208 électrique, Peugeot, la batterie, je ne sais pas si vous savez d'où elle vient de Chine. Et toutes les batteries de tous les véhicules français aujourd'hui viennent soit de Corée du Sud, soit de Chine. Pas de bol, ça représente quasiment le tiers de la valeur de la voiture. Donc si vous vous privez du tiers de la valeur de la voiture qui est produite à l'étranger et pas en France, votre industrie automobile, dans 20 ans, elle n'existe plus. Donc nous avons pris la décision, avec l'Allemagne, de créer nos propres batteries électriques, en disant on ne va plus se contenter d'en faire en Chine ou en Corée du Sud, on va les faire en France et en Allemagne. Comment est-ce qu'on est arrivé ? D'abord, on est arrivé grâce aux industriels, à qui je veux rendre hommage, que ce n'est pas le ministre tout seul qui décide dans son coin, je n'ai pas un bouton sur lequel j'appuie, puis tout d'un coup, il y a une usine qui s'ouvre. Ce n'est pas comme ça que ça marche, je vous le dis tout de suite. Il faut que les industriels soient d'accord. Il y a eu au moins deux grands industriels français, qui je rends hommage, qui se sont lancés dans cette aventure, le président de Total, Patrick Pouyanné, et le président de Peugeot, Carlos Tavares. Ils ont dit, nous, on est d'accord pour faire ça, il faut qu'on ait nos propres batteries. Mais on ne peut pas investir, nous, industriels privés, dans ces batteries électriques, parce que ça ne va pas être rentable tout de suite. Et donc, on ne peut pas mettre 100 millions, 200 millions, 300 millions sur ce projet qui ne sera rentable que dans 5 ans ou dans 10 ans. Nos actionnaires vont dire, écoutez, c'est hors de question, c'est un investissement qui est totalement délirant. Il est rentable beaucoup trop tard. Qui peut prendre en charge des investissements qui ne sont pas immédiatement rentables ? Les États. Je suis donc allé voir Peter Altmaier, le ministre de l'économie allemand. Nous en avons discuté ensemble et nous sommes tombés d'accord. Combien est-ce qu'il fallait mettre sur la table comme mise de départ ? 5 milliards d'euros. C'est pas rien, 5 milliards d'euros. Ça se trouve pas sous le pas d'un cheval. Les 5 milliards d'euros, on a pu les mettre parce qu'il y avait la France, l'Allemagne, que d'autres États ensuite nous ont rejoints. Je pense à la Pologne qui va faire le recyclage des batteries. Et donc pendant deux ans, nous avons travaillé jour et nuit, chaque semaine, sur ce projet de batterie électrique franco-allemande. Pour convaincre les industriels, pour voir les sites, pour trouver des financements, pour obtenir le soutien européen, pour avoir ce qu'on appelle un projet d'intérêt collectif européen qui nous permet d'apporter des aides d'État, qui normalement sont interdites en Europe, à ce projet industriel. On n'a pas arrêté de travailler là-dessus. En 2022, vous aurez une usine qui va ouvrir à Douvrin, dans le Nord, qui va représenter plus de 1000 emplois industriels, et qui créera les premières batteries électriques franco-allemandes sur le sol français. C'est ça qu'on peut faire avec l'Allemagne. Et sans le soutien allemand, ça n'aurait pas été possible de faire ce projet. On va faire la même chose sur le stockage des données, le cloud, avec le projet Gaia-X. On va faire la même chose sur l'hydrogène.
nous aurons des projets hydrogène qui d'ailleurs peuvent concerner votre territoire, en tout cas je l'espère, dans les années qui viennent. Et là aussi, les chiffres sont considérables. Sur l'hydrogène, les Allemands mettent 9 milliards d'euros. Nous mettons, nous, 7 milliards d'euros. Ça fait 16 milliards au total pour cette technologie qui est formidable, mais extraordinairement coûteuse financièrement, et qui n'est pas rentable tout de suite. Donc jamais les industriels privés n'iront dessus, parce qu'ils ont besoin de rentabilité que seul l'État peut leur garantir. Donc oui, la relation économique franco-allemande est vitale. Et oui, si vous voulez des grands projets comme l'avion hydrogène ou les batteries électriques européennes, vous ne pouvez pas les construire sans ce soutien franco-allemand. Une question de Maëlle maintenant, qui est dans une première avec une spécialité géopolitique et sciences politiques. Bonjour. En quoi les décisions de l'Allemagne influencent-elles celles de la France et vice-versa? Alors, la réalité de la relation franco-allemande, c'est des rencontres permanentes à tous les niveaux qui font que nos décisions s'influencent mutuellement. Gérard Longuet, comme sénateur, rencontre régulièrement des responsables politiques allemands. Je suis sûr que le maire de Verdun, c'est la même chose. Et je sais qu'Émilie Cariou, comme députée, c'est la même chose. Donc nous nous voyons tout le temps. J'ai deux homologues en Allemagne. Et j'ai de la chance, j'en ai deux. J'ai le ministre de l'économie, Peter Altmaier, et j'ai le ministre des Finances, Olaf Scholz, qui est aussi le vice-chancelier, puisqu'il y a une grande coalition en Allemagne entre le SPD, M. Scholz, et la CDU, Mme Merkel. Je les vois tout le temps. Quand je dis tout le temps, je n'ai pas passé une semaine, depuis près de 4 ans que je suis ministre de l'économie et des Finances, sans avoir eu mes deux homologues au téléphone. Pas une semaine. Et il y a 52 semaines par an, ça veut dire qu'il y a déjà eu au moins 200 coups de téléphone depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron entre les ministres de l'économie et des finances. On se voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. On se téléphone, on se déplace, on a des rendez-vous, on échange. C'est la même chose entre la chancelière allemande, Angela Merkel, et le président de la République. Ils se voient très régulièrement. Ils fixent un agenda, ils fixent des projets, et puis ensuite, les ministres les mettent en œuvre. Alors comment est-ce qu'on s'influence? Je vais vous donner un exemple très concret qui va peut-être vous paraître lointain, mais dont je vous redis que c'est ce qui nous permet aujourd'hui de financer la relance française et le soutien à notre économie. On s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait financer cette relance, 750 milliards d'euros. Et nous avons porté en France, depuis plusieurs années, cette idée de lever de la dette en commun entre États européens. Pourquoi? Tout simplement parce que le prix de la dette n'est pas le même suivant que vous êtes espagnol, italien ou allemand. Quand vous êtes allemand, comme votre pays est très riche et que les finances publiques sont très bien tenues, vous pouvez aujourd'hui emprunter de l'argent à taux négatif. Ça veut dire qu'on vous paye pour vous passer de l'argent. Ça peut paraître surréaliste, j'espère que ça vous arrivera un jour chez votre banquier, c'est formidable. Vous voulez acheter une maison, on vous paye pour que vous achetiez votre maison, on vous paye pour vous donner votre crédit. C'est ce qui se passe pour l'Allemagne, parce qu'il y a tellement d'argent aujourd'hui sur les marchés, on cherche la signature la plus solide, le pays le plus solide, c'est l'Allemagne. En revanche, un pays qui est en moins bonne forme économique, par exemple l'Italie, quand il va emprunter de l'argent, il va avoir un taux d'intérêt plus élevé, 1,5, 2%, donc ça va lui coûter cher. Arrive la crise sanitaire. Chacun est touché, c'est très violent. Vous avez des dizaines de milliers d'entreprises qui ferment partout, il faut réinvestir dans les hôpitaux, il faut acheter des respirateurs, il y a des dépenses immédiates à faire pour l'État. Nous, notre idée, c'était de dire, ben, vous voyez bien, l'Italie est en grande difficulté, elle va devoir emprunter de l'argent à nouveau, ses taux d'intérêt sont trop élevés, on n'a qu'à emprunter de l'argent tous en commun. Comme ça, si on emprunte l'argent, pas l'Italie, pas l'Espagne, pas la France séparément, mais Espagne, France, Italie, Allemagne, Belgique, Luxembourg, tous ensemble, on aura collectivement un taux d'intérêt moins élevé et donc ça nous coûtera moins cher. Et c'est là qu'il y a eu un immense débat en Europe, ça vous a peut-être échappé, mais ça a été un débat très très violent entre pays européens. Il y a les uns qui disaient, écoutez, moi j'ai un taux d'intérêt très bas, j'ai aucun intérêt à lever de la dette en commun avec des pays qui ont des taux d'intérêt très élevés. Tant pis pour eux, qu'ils se débrouillent, qu'ils aillent payer leurs dettes et qu'ils aillent payer leurs dépenses tout seuls. Et nous, nous avons porté cette idée
qu'il fallait lever de la dette en commun par solidarité pour aider les États qui avaient été le plus touchés par la crise sanitaire et que ça leur coûte moins cher. L'Allemagne, elle faisait partie des pays qui légitimement disaient « Mais écoutez, je ne vois pas l'intérêt de lever de la dette en commun. Moi, j'ai les taux d'intérêt les plus bas en Europe. Qu'est-ce que ça me rapporte ? Rien. Débrouillez-vous. » Et nous, on expliquait, Mme Merkel, avec le président de la République, ce que ça vous rapporte, c'est que l'Allemagne devient le pays de la solidarité et porte l'Europe vers quelque chose de meilleur. Mme Merkel a dit oui. Et nous avons pu lever de la dette en commun entre pays européens. Mais vous voyez, on partait de positions qui étaient très différentes. Elles se sont rapprochées. Et c'est parce que la France et l'Allemagne ont rapproché leurs positions qu'on a pu lever de la dette en commun, c'est-à-dire trouver de l'argent moins cher pour tous les États qui avaient été touchés par la crise du Covid. Une dernière question de Théo pour terminer cette séquence. En première, Habiba Colis et Jeanne d'Arc sur la politique au sens large. Actuellement, de plus en plus de gens ont l'impression que les hommes et les femmes politiques n'ont plus la moindre idée de ce qu'est la vraie vie et ils transmettent ce préjugé à leurs enfants. J'imagine que votre opinion sur cette question est moins pessimiste. Que répondriez-vous alors à ces personnes, et en particulier aux jeunes, pour qu'ils perdent un peu de leur méfiance ? Alors ce week-end, on va prendre le week-end dernier, je suis allé faire un footing. Et puis, comme j'avais été malade du Covid quelques semaines avant, du coup j'étais fatigué, je suis tombé. Je me suis fait mal à l'œil. Donc je suis allé aux urgences de l'hôpital Cochin, pour être tout à fait précis. J'avais ma voiture, je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit ma voiture, je suis allé aux urgences de l'hôpital Cochin, où j'ai été remarquablement accueilli, j'ai attendu comme tout le monde, j'ai pris mon ticket, puis après j'ai été soigné, remarquablement parce que les personnels soignants sont remarquables. Ensuite je suis sorti avec mon ordonnance, et puis je suis allé à la pharmacie, et j'ai acheté mes médicaments. Après je suis allé chercher mes enfants qui faisaient du sport, je les ai invités à déjeuner, je suis allé au restaurant, puis j'ai payé mon restaurant avec ma carte bleue. Ensuite, je suis allé me promener l'après-midi, il fallait que j'achète des fournitures scolaires pour mes enfants, pour les deux derniers, dont l'un est en 5e et l'autre en CM2, et je suis allé au Monoprix, pour être tout à fait précis, acheter des fournitures scolaires dont on avait besoin pour mes enfants. Puis le soir, j'ai fait ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire les papiers administratifs à régler. J'ai trouvé ma quittance de loyer. Je me suis dit, cette quittance de loyer, comme toujours, est trop élevée. Les politiques ont des vies comme celles des autres. Et je ne sais pas par quel fantasme on s'imagine que les politiques vivent une vie ailleurs, loin des Français. C'est faux. Et je conteste formellement cette vision des choses. Le maire de Verdun a la même vie que la vôtre. La même. Exactement la même. Il a ses problèmes, il a ses difficultés, il a ses joies, il a ses enthousiasmes, il a ses problèmes du quotidien à régler, il a sa voiture qui a crevé, il faut aller chez le garagiste, et il a son enfant qui a embouti la voiture parce qu'il l'a emprunté la veille, ça m'est arrivé, il faut qu'il trouve un carrossier, il trouve que le carrossier est très cher. On a les mêmes problèmes que les Français. Et je conteste une fois encore formellement cette idée de politique qui serait déconnectée de la vie des Français. Qu'on nous ramène sans cesse en nous disant « Regardez ce qui nous arrive, regardez à quel point c'est difficile, ça c'est normal. » Qu'il y ait des Français qui nous alertent en nous disant « Vous ne voyez pas les problèmes auxquels on est confrontés, vous ne voyez pas les difficultés qui sont les nôtres, c'est normal. » C'est légitime qu'une femme qui est seule, qui n'a pas d'emploi, qui est peu qualifiée et qui cherche à travailler dans une zone industrielle ou dans un grand magasin ou dans une grande surface, nous disent « Comprenez-moi bien, monsieur le maire, moi, quand je pars le matin, on me demande de venir à 6 heures pour faire le ménage au Cora. Je ne sais pas comment garder mes enfants. Et si je les fais garder, ça me coûte trop cher. » Ça, c'est légitime. Ça, c'est le débat démocratique. Ça, c'est normal qu'on nous alerte sur la situation de chacun, qu'on nous fasse comprendre quelle est la situation de chacun. Mais qu'on ne dise pas que les politiques vivent une vie loin de celle des autres, à des années-lumière de celle de leurs compatriotes, parce que ça, c'est un discours qui crée de la défiance démocratique et qui, au bout du compte, est comme un poison qui ronge le pacte démocratique entre les Français. Et puis, c'est un mensonge. Et je pense que le débat démocratique
Il a besoin davantage de vérité et de moins de mensonges. Monsieur le ministre, le lycée de la Malgrange de Jarville en Meurthe-et-Moselle, avec cette première question d'Alicia qui est en première. Bonjour monsieur le ministre. Comme vous le savez, nous sommes des jeunes de 16 ans et nous nous demandons si la crise actuelle est aussi inquiétante que celle de 2008, au point où elle pourrait impacter notre insertion professionnelle future. Alors, comme je vous tiens un discours de vérité depuis le début de cette masterclass, cette crise est beaucoup plus grave que celle de 2008. La crise de 2008, c'est une crise financière qui, dans le fond, est passée très au-dessus de nos têtes. Elle a eu un impact assez violent, mais mesuré dans le temps. La crise actuelle est beaucoup plus profonde, parce qu'elle touche l'économie réelle. C'est des dizaines de milliers d'entreprises qui sont aujourd'hui fragilisées. J'ai sur mon bureau, tous les jours, la liste des entreprises dans lesquelles il y a des plans sociaux qui sont en cours de préparation. Je suis obligé de regarder cette liste tous les jours. Tous les jours, j'interviens pour me dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour Conforama? Qu'est-ce qu'on va faire pour Camailleux? Qu'est-ce qu'on va faire pour Courtepaille? Qu'est-ce qu'on va faire pour soutenir Air France alors qu'il n'y a plus de transport aérien? Qu'est-ce qu'on va faire pour Renault, qui est une magnifique entreprise automobile, mais évidemment, pendant le confinement, on n'a pas vendu beaucoup de voitures? Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Cette crise n'a pas d'autre comparaison que la grande récession de 1929. Et je le dis depuis début mars. Depuis début mars. Et c'est ce qui nous a permis de prendre des bonnes mesures au bon moment. Ensuite, je vais vous donner une deuxième conviction pour vous rassurer quand même par rapport au paysage que je dresse, la situation économique. Les fondamentaux de l'économie française sont bons. Et quand vous regardiez où on en était il y a quelques mois, on avait un des meilleurs taux de croissance de la zone euro, on était sous les 8% de taux de chômage, et nous étions devenus le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe. Ça veut dire que quand un investisseur chinois, thaïlandais, américain, mexicain, argentin, canadien cherchait un endroit où investir en Europe, il se disait « il y a un endroit où il faut investir, c'est en France ». Justement parce qu'il y a des jeunes comme vous qui ont du talent, qui ont de la volonté, qui ont de l'enthousiasme, qu'il y a de belles entreprises, qu'il y a de belles usines, qu'il y a des administrations solides, qu'il y a des beaux territoires comme celui de Verdun. Et donc, ça vaut le coup d'investir. Nous retrouverons cette situation-là, je vous le promets, sous 2 ans. Il faudra 2 ans pour se redresser. On ne va pas le faire du jour au lendemain. La crise est trop grave pour que du jour au lendemain, les choses se redressent. On va traverser des moments difficiles. Et vous allez traverser des moments difficiles. Je ne vais pas vous dire le contraire. Ce sera plus difficile pendant quelques mois de trouver un emploi. Ce sera plus difficile pendant quelques mois d'avoir un contrat d'apprentissage, bien entendu. Mais d'abord, nous allons vous soutenir. On a mis en place, par exemple, des primes pour les jeunes apprentis. Vous avez plus de 18 ans, vous embauchez un apprenti, 8 000 euros. Vous embauchez un apprenti de moins de 18 ans, 5 000 euros. Vous êtes une entreprise, une PME de Verdun, vous embauchez ou de Bar-le-Duc, vous embauchez un jeune de moins de 15 ans, de moins de 18 ans, pardon, en apprentissage, 5 000 euros de prime. Vous embauchez un jeune en CDI jusqu'à 26 ans, 4 000 euros de prime. Donc on va tout faire, je dis bien tout, pour vous soutenir, vous, les jeunes qui entrez sur le marché du travail. Tout. Et si ce n'est pas suffisant, on fera plus. On ne vous laissera pas tomber. Ça, c'est pour les aides immédiates. Mais sur le long terme, soyez-en convaincus, vous êtes dans un pays qui va réussir, qui a tout pour réussir. Et moi, je voudrais vraiment balayer une bonne fois pour toutes tous ces discours défaitistes qui vous disent « la France, c'est foutu, c'est fini, ça va mal, on ne va pas s'en sortir ». C'est faux. La France est probablement un des pays qui a les meilleurs atouts pour réussir dans l'économie du XXIe siècle. Nous sommes créatifs, nous sommes inventifs, nous avons des technologies de pointe, nous avons des universités qui comptent parmi les meilleures au monde. On nous disait, mais souvenez-vous, c'est les mêmes qui vous disaient « avec le classement de Shanghai, c'est fini, les universités françaises n'auront jamais la capacité de donner les meilleures mondiales ». On s'est donné les moyens de rassembler nos efforts. L'université de Saclay est désormais 14e mondiale, alors qu'il n'y avait pas une université dans les 20 premières mondiales depuis 10 ans. On nous dit l'industrie, c'est fini. On ne peut plus recréer d'emplois industriels, il faut que les jeunes s'en détournent. Il y a un an, nous avons pour la première fois depuis 12 ans recréé des emplois industriels en France.
On nous dit les batteries électriques, je reprends cet exemple-là, c'est la Chine, c'est la Corée du Sud, jamais la France sera capable d'en produire. Ben, désolé, dans un an, il y a une usine de batteries électriques qui ouvre en France. Le calcul quantique va être un des éléments absolument clés des technologies du XXIe siècle. La France peut être le premier pays au monde à avoir un ordinateur quantique en état de fonctionnement sur son territoire. L'hydrogène va être un élément clé des mobilités de demain. Nous pouvons construire en France la plus grande usine d'électrolyseurs, ce qui va séparer les atomes d'hydrogène des atomes d'oxygène, au monde, grâce à Air Liquide. Donc soyez fiers d'être français. Ayez confiance en vous-même. Et ne vous laissez pas distraire par tous ces discours des défaitistes, des cyniques, de tous ceux qui ne croient plus dans leur pays, de ceux qui n'ont plus de patriotisme chevillé au corps. Le patriotisme à Verdun, à l'époque, ça voulait dire « allez tuer les Boches ». Le patriotisme aujourd'hui, ça veut dire croire dans son pays, croire dans la France, croire dans l'amitié franco-allemande et croire dans l'Europe. Et croyez-moi, vous allez réussir en France et vous serez heureux en France. Bruno Le Maire, vous l'avez dit, vous avez été touché personnellement par la Covid-19. Abdelrahman a justement une question à vous poser sur le sujet. Nous avons découvert que vous avez été contaminé par la Covid-19. Comment avez-vous vécu cette maladie ? Ah ben, je vous recommande de l'éviter, c'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Je crois que vous portez tous le masque et que vous faites bien attention. Je redis que mon cas personnel n'a aucune espèce d'importance. Simplement, quand on est confronté à un virus comme ça, il faut se poser quelques questions très simples. Première question, est-ce qu'on va arrêter complètement la vie ? Non. On ne va pas arrêter de travailler, on ne va pas arrêter de produire, on ne va pas rester tous chez soi. On a eu une fois l'expérience du confinement, on va bien ne pas l'avoir deux. Il faut que l'activité économique se poursuive. Parce que la Covid fait des ravages, mais la crise économique aussi. Donc il est très important d'arriver à concilier la lutte contre le virus et la poursuite de l'activité économique. Et moi, je suis en désaccord fondamental avec tous ceux qui disent « il y a le virus, on arrête tout ». Parce que je pense que le fait de mettre le pays à l'arrêt a un coût considérable. Ça crée du chômage, ça crée de l'inquiétude, ça crée du désarroi, ça crée des troubles psychologiques. J'ai beaucoup de personnes qui se disent « mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir ?» Donc mon premier conseil, c'est d'arriver à concilier la vie active, la vie professionnelle, votre vie d'étudiant, votre vie d'élève, avec la lutte contre le virus. On ne va pas fermer toute l'université, toutes les classes, toutes les écoles. Je pense que le gouvernement a su justement trouver le bon équilibre. La deuxième chose, faites attention aux personnes que vous aimez. Faites attention aux personnes qui vous entourent. Si vous vous protégez, j'entends là aussi les discours très égoïstes de certains qui vous disent « il faut vivre, pas de masque, arrêtons avec les gestes barrières, arrêtons avec la distanciation sociale ». Moi, je n'aime pas la distanciation sociale. Et je suis comme vous, je n'aime pas porter de masque, surtout quand j'ai des lunettes, ça fait de la buée, c'est très désagréable, je vous vois dans le flou, vous voyez, dans le brouillard. Mais je le fais tout simplement parce qu'on a autour de soi des gens qu'on aime, des gens qu'on veut protéger, et qu'avant de penser à soi, il faut penser aux autres. C'est juste l'effort qu'on vous demande. Avant de penser à soi, pensez aux autres. Vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, il y a des personnes autour de vous qui peuvent avoir des facteurs de comorbidité, comme on dit, ou qui sont très âgés, qui sont plus fragiles que vous, il faut faire attention à elles. Enfin, il y a une troisième chose très importante. N'oubliez jamais les personnels de santé. Ils se battent tous les jours, dans des conditions difficiles. Ils accueillent les nouveaux malades de la Covid. Parfois, ils ont des choix extraordinairement difficiles humainement à faire, qui est d'accueillir un malade qui devait se faire soigner, qui devait subir une opération, parfois pour une pathologie lourde, comme un cancer, et à qui on dit ben, « désolé, on ne peut pas faire votre traitement parce qu'il faut garder les lits de réanimation pour les malades du Covid ». Donc pensez aussi au personnel soignant. Pensez à tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les cliniques, les hôpitaux publics ou les hôpitaux privés, à tous ceux qui traitent aujourd'hui ces malades. Je crois que rien que vis-à-vis d'eux, nous devons être
responsable. Donc je vous le redis, mon cas personnel n'a aucune espèce d'importance. Mais ce qui compte pour moi, c'est que le pays continue à tourner, qu'on protège ce qu'on aime et qu'on protège les personnels soignants. Bruno Le Maire, une question de Louise qui n'a pas encore 18 ans. Bonjour Monsieur le Ministre. Que pensez-vous de l'éventualité d'octroyer le droit de vote à partir de 16 ans pour la nouvelle génération ? Pourquoi pas ? Moi, ce n'est pas du tout une chose qui me choque ou qui me fait bondir au plafond. Je trouve que c'est un vrai débat. Il faut avoir un débat approfondi sur ce sujet, en mesurer toutes les conséquences, parce que ce n'est pas des débats qui sont neutres. Mais moi, je n'y vois aucune objection fondamentale. L'économie au sein de l'Europe, une question d'Antoine. Merci, madame. Eh bien, bonjour, monsieur le ministre. Il y a une question que j'aimerais vous poser. Je pense que vous êtes au courant, la crise du Covid-19 a remis sur le devant de la scène le principe de souveraineté économique, de souveraineté industrielle. Et par rapport à cela, il y a une question que j'aimerais vous poser. Comment comptez-vous faire du... Oula, j'en perds mes mots. Comment comptez-vous reconquérir notre souveraineté économique, notre souveraineté industrielle en... Vous avez déclaré aussi vouloir faire du protectionnisme. Or, comment comptez-vous justement faire du protectionnisme alors que les traités européens, dans la zone euro et notamment le principe de concurrence libre et non faussée, l'article 63 du TFUE, l'interdisent ? Comment comptez-vous vous y prendre ? Je vous remercie. Alors, d'abord, clarifions tout de suite une chose, sinon Gérard Longuet va me tomber dessus immédiatement. Je ne suis pas protectionniste. Je vais vous préciser un peu les choses. Je suis favorable à un certain nombre de mesures qui défendent nos intérêts économiques. Première question, et merci pour ces questions qui sont absolument fondamentales sur nos grands choix économiques. Dans les périodes de crise, il faut essayer de voir un tout petit peu plus loin que le bout de son nez. C'est comme ça qu'on s'en sort. Pas en restant comme ça tous les jours à regarder les mauvaises nouvelles, les journaux qui vous annoncent que la planète va s'effondrer, que tout va mal. La responsabilité politique, c'est regarder loin et devant. Pour dire voilà où on va aller. Voilà ce qui est possible. Quand je regarde ce qui s'est passé en France depuis une vingtaine d'années, nous sommes le pays de l'OCDE, donc dans les grands pays développés, qui a le plus délocalisé ses activités industrielles. C'est révoltant. Et nous en sommes tous coupables. Parce que nous avons laissé faire, parce que nous n'avons pas eu le courage de prendre un certain nombre de décisions difficiles. Par exemple, baisser les impôts. Parce que si vous ne baissez pas les impôts, les industriels ne vont pas survivre, croyez-moi. Parce qu'on n'a pas su former, parce qu'on n'a pas su qualifier, parce qu'on n'a pas su montrer à des jeunes de votre génération que l'industrie, c'est plus du tout ce que c'était au XIXe siècle, que c'est créatif, que c'est imaginatif, que c'est propre, que c'est de la valeur, et qu'on peut mener une vie extrêmement réussie en s'engageant dans l'industrie. Donc on va se battre pour ces relocalisations industrielles en revalorisant l'industrie, en expliquant que l'industrie 4.0, celle qui se fait avec des ordinateurs, avec des machines, avec des robots, est radicalement différente de ce qui existait auparavant, et elle est attractive pour vous. Et quand je dis vous, c'est vous tous, pas simplement les garçons qui sont là, mais aussi les jeunes filles. Il faut qu'il y ait plus de jeunes femmes qui s'engagent dans l'industrie. Un métier qui a de l'avenir, c'est un métier où il n'y a pas que des hommes qui y travaillent. Et il faut que les femmes s'engagent dans l'industrie, s'engagent dans les métiers d'ingénieurs. C'est un point absolument clé pour le succès de cette stratégie. En deuxième lieu, je vais être très clair avec vous, on ne va pas tout relocaliser. Il ne faut pas faire croire non plus aux Français qu'on va faire revenir des productions bas de gamme, à bas coût, sur lesquelles nous ne sommes pas compétitifs, parce que nous, on veut une main-d'œuvre qui soit bien qualifiée, avec une bonne rémunération. Et donc, si vous faites des produits bas de gamme, pas chers, ben vous serez mal payé et vous n'aurez personne pour aller travailler dans ce secteur-là. Ce qu'on veut relocaliser, c'est toutes les activités où il y a de la valeur. Je reprends mon exemple de la batterie électrique parce qu'il est très frappant. Si on veut garder une industrie automobile en France, il faut qu'on produise la valeur des futurs véhicules, c'est-à-dire des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ici, en France. La chaîne de traction électrique, la batterie électrique, les systèmes de transmission, les systèmes de guidage pour la future voiture autonome, c'est en France qu'il faut les produire. Et c'est ça qu'on veut relocaliser. Ce qu'on veut relocaliser aussi, c'est tout ce qui est indispensable
pour une grande nation indépendante. Demain, vous allez vous faire soigner dans un hôpital. Vous allez subir une opération à cœur ouvert, une opération qui demande à ce que vous soyez endormi pendant plusieurs heures. Vous n'avez pas envie que le médecin anesthésiste vous dise « Ah ben désolé, on manque de curare, donc on ne va pas pouvoir faire l'opération ». Donc sur un certain nombre de produits stratégiques, notamment médicaux, nous voulons être indépendants, c'est-à-dire ne pas dépendre des autres, être autonome. C'est ça aussi la relocalisation industrielle. Alors ensuite, comment est-ce qu'on va y arriver? Et comment est-ce que nous y arrivons, puisque nous avons déjà des résultats, déjà des usines nouvelles qui ouvrent, déjà des nouvelles lignes de production qui s'ouvrent en France? Je le redis, il faut être compétitif, donc il faut baisser nos impôts. Pardon de le redire avec autant de force, mais nous sommes ici pas très loin de l'Allemagne. L'Allemagne a des impôts de production qui sont 7 fois moins élevés qu'en France. 7 fois. Comment voulez-vous qu'une usine soit compétitive à 20 km de l'Allemagne si les impôts de production sont 7 fois plus élevés en France qu'en Allemagne? Ça fait 4 ans que je mène ce combat pour la baisse des impôts de production. Tout à l'heure, je serai à l'Assemblée nationale avec Émilie Cariou à la tribune de l'Assemblée nationale. Je vais présenter le projet de loi de finances, c'est-à-dire le budget pour 2021, dans lequel il y aura 10 milliards d'euros de baisse d'impôts de production. C'est 10 milliards pour les ouvriers. C'est 10 milliards pour l'industrie. C'est 10 milliards pour les usines. Ce n'est pas 10 milliards pour les patrons, comme j'entends dire trop souvent. C'est 10 milliards pour que la France soit compétitive par rapport à l'Allemagne. Ensuite, si on veut que ça marche, je vous ai parlé de la formation, de la qualification. Il y a un autre point qui est important. Pardon d'être un peu long sur ce sujet, parce qu'il me tient, comme vous le voyez, extrêmement à cœur, parce que la France, c'est son agriculture. J'ai été 3 ans ministre de l'Agriculture. C'est son industrie et c'est les services. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Il faut qu'on garde ces 3 types d'activités qui feront la force du pays et qui vont créeront des emplois pour demain. Il faut en revanche qu'on défende mieux nos intérêts économiques. Et là, je rejoins votre question importante sur le protectionnisme. Si nous réduisons nos émissions de CO2 en France et que nous investissons pour avoir des produits moins polluants, avoir des usines moins polluantes, avoir des entreprises qui émettent moins de CO2, avoir par exemple des aciéries dans le nord de la France qui produisent de l'acier en émettant moins de CO2. Ça coûte très cher. Une aciérie qui émet peu de CO2 est beaucoup plus coûteuse qu'une aciérie qui va fonctionner avec de l'énergie fournie par une centrale à charbon qui sera peu coûteuse. Donc si vous ne mettez pas une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, ça ne sert à rien de réduire vos émissions de CO2 à l'intérieur de vos frontières. Parce que tout ce que vous aurez réduit comme émissions de CO2 à l'intérieur de vos frontières, vous le perdrez par l'importation de produits émetteurs de CO2. Et quand vous regardez les chiffres, ils sont absolument sans appel. Depuis 10 ans, la France a réduit ses émissions de CO2, elle a fait des efforts spectaculaires pour émettre moins de CO2. Mais tout a été perdu par l'importation de produits étrangers qui émettent du CO2. Donc tous les efforts qu'on fait, ils sont ruinés par l'importation de produits émetteurs de CO2. Ben nous, ce qu'on propose avec le président de la République, c'est très simple. Ces produits-là, on va les taxer aux frontières de l'Union européenne pour que s'ils rentrent, ça ait un coût, et puis sans doute qu'ils rentrent moins pour favoriser nos produits moins émetteurs de CO2. Ça, j'y crois profondément. Je pense que c'est un enjeu absolument capital des années à venir. Ça ne va pas être simple de convaincre nos partenaires européens, mais on va se battre. Bruno Le Maire, même à Bercy, il n'y a pas que les chiffres dans la vie. Pour terminer cette séquence, une question de Charlotte. Bonjour Monsieur le Ministre, vous êtes agrégé de lettres modernes et aujourd'hui vous êtes ministre de l'économie. Est-ce que la littérature a encore une place importante dans votre vie ? Majeure. Une importance absolument majeure. Je lis tous les jours, j'écris. Et je considère que la littérature est un facteur de liberté extraordinaire. Et dans les fonctions qui sont les miennes, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de points de fuite. Parce que toute la journée, vous avez des dossiers à régler, vous avez des parapheurs à signer, vous avez des obligations, vous avez des critiques qui font partie du jeu démocratique. Donc vous avez besoin de points de fuite. La littérature est un de mes points de fuite. Je voudrais rajouter
un point très important, je crois, pour vous qui avez 16, 17 ou 18 ans. Ne vous laissez pas enfermer dans des cases. La France crève de cela. Elle adore mettre des étiquettes sur les gens. Vous avez fait des études de littérature, donc vous ne pouvez pas être ministre de l'économie et des finances. Vous avez fait des études de droit, alors vous ne pouvez pas être ministre des Affaires étrangères. Vous avez fait des études de chimie, donc vous ne pouvez pas aller travailler dans une université sur de l'histoire, vous ne pouvez pas travailler au centre historique de Verdun. On met les gens dans des cases. Et puis alors surtout, on ne veut pas qu'ils en sortent. Hein. Mais bousculez cela. Soyez révolutionnaires. N'acceptez pas qu'on vous mette des étiquettes sur le dos. Ne l'acceptez jamais. Soyez libres. Si on veut vous mettre une étiquette sur le dos pour vous dire « il a fait des études de lettres, il ne pourra jamais être comptable », dites eh « ben moi j'ai fait des études de lettres, mais j'ai aussi envie d'être comptable, et c'est tout à fait possible ». Si vous avez fait des études de médecine, mais vous avez envie demain d'être historien, eh ben soyez historien, même si vous avez fait des études de médecine. Ne vous laissez pas mettre une étiquette sur le dos. Si vous avez fait 5 ans à travailler dans une usine d'industrie automobile, et que vous avez envie de changer, de prendre une autre qualification et de passer à autre chose, passez à autre chose. Ne vous laissez pas enfermer. Soyez libre. Donc je veux vraiment vous passer ce message-là parce que je pense que ce que vous pouvez nous apporter, vous les générations qui viennent, c'est cette liberté. De refuser les étiquettes, de refuser les boîtes, de refuser les prisons. Les étiquettes sont toujours des prisons. Les boîtes sont toujours des prisons. Soyez libre, faites ce que vous voulez de votre vie et ne vous laissez jamais dicter votre vie par qui que ce soit d'autre. Personne n'a le droit de vous dicter votre vie. Donc vivez là, soyez libre, soyez révolutionnaire, soyez audacieux. Et si vous aimez la littérature et que vous voulez être ministre des Finances, croyez-moi, ça marche très bien. Alors précisément à propos d'audace et de liberté, une question de Méline, élève au lycée des métiers entre Meurthe et Sanon à Dombasle-les-Meurthe, sur les stages. Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'il sera encore possible de planifier nos stages obligatoires en Allemagne pour l'année 2021, stages financés par Erasmus+, vu les restrictions imposées par le gouvernement allemand à nos ressortissants à cause de la crise du Covid? Alors, je pense que ça fait exactement partie du genre de discussion qu'il faut que nous ayons très vite avec nos homologues allemands. Je crois qu'il y a la représentante de l'ambassade d'Allemagne qui est là, donc elle transmettra à notre consul général le message à l'ambassade d'Allemagne. Moi, je ferai de même avec mon homologue ministre de l'économie. Il faut que les élus locaux se mobilisent et qu'effectivement, on se pose cette question. Est-ce qu'il va être possible pour des jeunes qui veulent faire un stage en Allemagne, Erasmus, financé par Erasmus en 2021, est-ce que ça va être possible ou est-ce que les frontières vont être fermées? Moi, je vais vous dire mon sentiment, ça doit être possible. Il faut des tests, il faut sans doute des conditions sanitaires qu'il faut bien définir de manière très stricte et très rigoureuse, mais ça doit être possible. Mais vous faites bien de soulever le sujet, parce qu'il vaut mieux le traiter avant. Une question d'Edgar sur la reconnaissance des diplômes entre nos deux pays. Justement. Gérard Longuet voulait peut-être rebondir là-dessus, c'est une question importante. C'est une observation, nous avons la chance d'avoir Madame le Consul Général qui va rapporter à son administration, mais surtout Philippe Mangin, vice-président du Conseil régional de Grand Est. Le Conseil régional a deux caractéristiques. La première, c'est qu'il a en charge la formation professionnelle et notamment la validation des stages et une politique extrêmement solide, sérieuse, approfondie, pratico-pratique de coopération transfrontalière dans le cadre de ce que nous appelons ici la Grande Région, c'est-à-dire la coopération du Grand Est avec l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et avec chacun des Länder allemands dans leur domaine de compétences. Donc, grâce à cette rencontre, votre question, chère Méline, ne sera pas abandonnée puisque vous avez les interlocuteurs responsables à portée de main. Edgar, donc, sur la reconnaissance des diplômes dans nos deux pays. En tant que lycéen professionnel, nous avons constaté que nos diplômes CAP, Bac Pro, ne sont pas reconnus en Allemagne. Pourront-on imaginer une harmonisation ou tout du moins une reconnaissance bilatérale des formations et des diplômes professionnels? Alors Edgar, c'est compliqué et c'est indispensable. La reconnaissance mutuelle des diplômes est absolument indispensable. Je ne peux pas répondre à la question tout à l'heure en vous disant apprenez l'allemand pour aller travailler en Allemagne ou apprenez le français quand vous êtes allemand pour venir travailler en France et qu'il n'y ait pas de reconnaissance mutuelle des diplômes. C'est indispensable.
ça se heurte à chaque fois à des dizaines et des dizaines d'obstacles techniques sur la manière dont la formation a été effectuée, les machines sur lesquelles ça s'est fait, mais nous devons y parvenir et nous vous le devons, surtout dans cette période de crise. Il est 11h25, Bruno Le Maire. On va prendre la toute dernière question. Elle sera posée par Dylan sur la place de l'écologie dans le couple européen, dans le couple franco-allemand notamment. Dylan. On sait que le couple franco-allemand est moteur dans l'Union européenne. Ne serait-il pas urgent et nécessaire que ce point fort soit mis au service d'un renforcement des mesures écologiques des différents pays membres? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, Dylan. En même temps, on ne va pas se cacher les choses. C'est difficile. Il y a des projets sur lesquels on avance très bien, d'autres sur lesquels on a des vraies divergences. Et dans le franco-allemand, qui est au cœur de mon engagement politique, ça a toujours été au cœur de mon engagement politique, il ne faut jamais se payer de mots et jamais refuser de voir la vérité en face. On parle d'amitié franco-allemande, je pense que c'est le bon mot. Mais dans l'amitié, on se dit les choses. On se dit quand ça va, on se dit aussi quand ça ne va pas. Sinon, on ne peut pas progresser. Donc nous avons des sujets sur lesquels, avec l'Allemagne, en matière d'écologie, nous avançons très bien. Je pense au travail sur l'hydrogène. Je pense qu'on va avoir des beaux projets sur l'hydrogène avec l'Allemagne. Je pense à nouveau aux batteries électriques. On avance très bien avec l'Allemagne sur ce sujet-là. Et puis il y en a d'autres sur lesquels c'est plus compliqué. La taxe carbone aux frontières dont je viens de parler, qui pour moi est indispensable. C'est absolument indispensable que l'Europe mette en place rapidement une taxe carbone aux frontières. Nos amis allemands sont plus hésitants. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que ce sera perçu comme une mesure protectionniste par la Chine, que la Chine est un des grands marchés sur lesquels l'Allemagne exporte, et donc elle est moins allante que nous sur la taxe carbone aux frontières, soyons clairs. Il y a un deuxième sujet de divergence, et ce serait malhonnête de ne pas le mettre sur la table, même s'il est très sensible, c'est le nucléaire. Nous, quand nous produisons de l'hydrogène, vous savez que pour produire de l'hydrogène, il faut, comme je le disais tout à l'heure, faire une opération dite d'électrolyse, où on sépare les atomes d'hydrogène des atomes d'oxygène. Cette opération demande beaucoup d'électricité. Nous estimons que si cette électricité est produite par des centrales nucléaires, qui n'émettent pas de CO2, l'hydrogène produit à partir de cette électricité nucléaire est un hydrogène vert, contrairement à l'hydrogène gris, qui, lui, continue à venir d'une énergie fossile, à savoir le gaz. Les Allemands ont une vision un peu différente. Ils disent que ce n'est pas vraiment l'hydrogène vert, parce que c'est l'hydrogène produit à partir de l'énergie nucléaire, et l'énergie nucléaire, c'est des déchets, et que s'il y a des déchets, on ne peut pas considérer que c'est une énergie verte. Donc le débat, il est sur la table. Je vous assure, on ne va pas le trancher aujourd'hui, parce que c'est des centaines de milliers d'échanges qu'il faudrait que nous ayons pour aller au bout de cette question-là. Mais ça fait partie des sujets sur lesquels il y a une différence d'appréciation entre la France et l'Allemagne. Donc on va poursuivre nos échanges, poursuivre nos travaux. On trouve toujours des solutions, au bout du compte, entre la France et l'Allemagne. La chancelière est totalement engagée. Je l'ai vue s'exprimer à plusieurs reprises sur ce sujet. J'ai participé à des dizaines de discussions avec elle. J'ai toujours vu la chancelière allemande très engagée sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est ça qui compte. Le président de la République est très engagé sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est ça qui compte. Donc même s'il peut y avoir un point de divergence ici ou là, sur un sujet ou sur un autre, je suis convaincu que la France et l'Allemagne feront leur maximum pour accélérer la transition écologique à laquelle on aspire tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Et merci surtout pour la qualité de vos questions, la qualité de votre engagement. Merci infiniment. Très bien.
jeunes vont vaincre progressivement. Someone else is dead.
J'ai l'impression d'être le curé à la messe, vous voyez, qui se retourne et qui dit « Asseyez-vous maintenant ». C'est une fonction d'ailleurs qui est tout à fait éminente. Nous laissons Bruno Le Maire terminer son échange avec les journalistes rassemblés et je voudrais vous présenter Martin Schulz, ici présent, et qui est un grand ami de Verdun et un grand ami du Centre mondial de la paix. C'est un homme de conviction, il est élu dans son pays en Allemagne, il est membre du SPD, mais il a été surtout pour nous Français un homme extraordinairement important parce qu'il a présidé le Parlement européen. Il est donc au cœur de la connaissance de la construction européenne. Un certain nombre de questions ont été posées, Bruno Le Maire leur a répondu, qui au fond, nous interrogeait sur la possibilité de coopérer ensemble, nous, les pays européens, qui avons les uns et les autres la volonté de construire ce grand ensemble pacifique qui est exceptionnel. Mais reconnaissons que nos pays ont des cultures différentes, des comportements différents, des attitudes différentes vis-à-vis de la vie, du rôle de l'économie, du quotidien de nos existences, du rôle de l'État, du rôle de la politique. Et le Parlement européen est le lieu où s'échangent et se confrontent ces différentes, ces diversités. Martine, moi j'ai été député européen 2 ans, un peu dans les hasards de ma vie, et j'ai découvert la diversité européenne. Mais ce sont des détails. Mais quand vous discutez dans une salle de commission, rarement dans la langue du partenaire, parfois quand même, avec des interprètes, vous découvrez très rapidement qu'il y a des différences. Nous sommes tous européens quand on est à l'extérieur de l'Europe, mais à l'intérieur de l'Europe, nous voyons nos différences qui ne sont pas des ruptures, qui ne sont pas des oppositions, mais qui sont des façons différentes, nuancées, d'appréhender la même réalité. Qu'il s'agisse d'agriculture, de défense, d'aménagement du territoire, de transport. Chaque pays a sa perception parce qu'il a la spécificité de ses problèmes. Et le Parlement européen aujourd'hui est vraiment au cœur du sujet parce qu'il permet à ces diversités de se confronter, de s'évaluer et de trouver des solutions. Et vous avez, je le dis dans cette Assemblée européenne, en fait, 2 grilles d'analyse qui se superposent. J'ai évoqué la grille d'analyse nationale. Il est évident que les cultures de l'Europe du Nord, les comportements, les attitudes ne sont pas celles et ceux de l'Europe méditerranéenne. L'Allemagne et la France sont d'ailleurs d'assez bons pays de synthèse parce que l'Allemagne est à la fois méridionale, quand elle est bavaroise, elle est en même temps très nordique, quand elle est de Schleswig-Holstein ou de Prusse, et elle comprend. Et nous, Lorrain, c'est très intéressant parce que Bruno parlait de la langue du voisin. Savoir parler allemand quand on est français, maintenir l'enseignement du français quand on est allemand. En Lorraine, vous avez une frontière linguistique qui, pendant 10 siècles, n'a pratiquement pas changé. Après le serment de Strasbourg, en 842, le Parlement européen ne siégeait pas encore à Strasbourg à cette époque. Mais en 842, deux des trois petits-fils de Charlemagne, avant la séparation de Verdun, ont fixé une frontière linguistique entre les parlers germaniques, au nord et à l'est, et les parlers romans, au sud et à l'ouest. Cette frontière n'a pas bougé de 842 à 1950. Et en 1950, disons que pour des raisons politiques, mais aussi beaucoup pour des raisons techniques, la radio, la télévision, la diffusion de l'information, chacun a parlé la langue de son pays et cette culture intermédiaire a un petit peu disparu, s'est un peu affaiblie. Et je pense que nous avons intérêt
Nous, Lorrains, ou du Grand Est, les Alsaciens sont dans la même situation, avoir cette double culture, cette double connaissance. Donc, grille d'analyse historique et géographique. Mais il y a une deuxième grille d'analyse, et c'est là, je pense, que vous aurez à questionner Martin Schulz, c'est la grille d'analyse politique. Car vous avez au Parlement européen quatre grandes formations, principalement, et c'est très important quand on est portugais ou danois de pouvoir se parler et se comprendre parce qu'on appartient à la même formation politique européenne qui s'efforce de rassembler les pays d'Europe sur des valeurs qui sont communes à tous les pays d'Europe, les uns plus favorables à la répartition, à la solidarité, les autres plus favorables à la création de richesses, à l'initiative, à la liberté, d'autres plus conservateurs sur le plan de la vie familiale, d'autres plus rénovateurs justement sur ces valeurs du quotidien. Et c'est le rôle des partis politiques qui sont représentés pour la plupart, pour les quatre grands, dans presque tous les pays, et qui peuvent rapprocher des femmes et des hommes, tous élus au Parlement européen, et qui ont pourtant des origines et des comportements en apparence différents, et qui essayent de se retrouver et de se comprendre à travers le rôle des partis. Et donc, vous avez une chance inouïe, c'est d'avoir l'homme qui va pouvoir vous répondre sur toutes ces questions. J'imagine que vous les avez préparées. Moi, j'étais très impressionné par la qualité du travail de préparation et la façon dont vous êtes répartis les thèmes. D'abord, c'était les thèmes justes. Et ensuite, vos questions étaient formulées avec beaucoup de clarté. Et malheureusement, évidemment, c'est un débat sans échange suivi. Mais au moins, ça vous éclaire. Avec Martin Schulz, vous aurez un débat extrêmement détendu parce qu'il sait tout. Et comme il n'a pas, à l'inverse de Bruno, une responsabilité gouvernementale, il aura sans doute beaucoup plus de liberté. Bon, voilà, j'ai joué monsieur Loyal pour animer l'intermède. Et maintenant, nous allons revenir sur... Deux séquences, président. Nous allons présenter officiellement à Martin Schulz et à Bruno Le Maire ce tableau qui est distribué officiellement. Article 1. Ah oui, article 2. Mais ça, l'article 2 est plus important pour moi que l'article 1. Donc je vais commencer par l'article 2. D'accord. Ce que je voudrais vous dire, vous venez du Grand Est en général et nous serons écoutés et suivis par d'autres lycéens, d'autres collègues du Grand Est. Pourquoi ce centre existe-t-il? Parce qu'à Verdun, nous avons l'habitude de commémorer la guerre, mais... Dans les années, à la fin du siècle précédent, entre 1980 et 1990, l'ensemble des élus de la ville, ton prédécesseur, Jacques Barat-Dupont, par exemple, cher Samuel, des présidents de département, prédécesseur de Rémy Hermant, prédécesseur de Claude Léonard, des parlementaires, les uns plutôt à gauche, comme Jean-Louis Dumont, d'autres plutôt à droite, comme moi, on s'est dit que ce serait quand même formidable qu'à côté de la guerre, on puisse parler de paix et qu'on puisse réfléchir aux conditions de la paix, car la paix n'est pas une donnée en soi. La paix, ça va peut-être vous surprendre comme formule, mais c'est le résultat d'un combat de tous les instants. Un combat de tous les instants pour se comprendre, pour échanger, pour se respecter. Et donc l'idée a été de consacrer ce bâtiment qui est exceptionnel, le palais épiscopal, l'ancien séminaire, à un lieu de rencontre où l'on puisse réfléchir sur la paix. Une anecdote, Bruno, et puis après je me tais parce que sinon je vais parler beaucoup trop longtemps, mais en 1995, l'un des premiers colloques que nous avons organisés ici consacrait le renouveau de l'Europe danubienne. Et nous avions des représentants de pratiquement des 6 républiques de l'ancienne Yougoslavie. Eh bien, il a fallu en venir aux mains pour les séparer, car entre les Bosniaques, les Croates, les Serbes de Serbie, les Serbes de Bosnie et les Monténégrins, qui étaient présents ici dans cette même salle, ils avaient des idées vraiment absolument différentes sur l'avenir de leur pays et sur les responsabilités réciproques des premiers troubles qui apparaissaient.
C'est la raison pour laquelle je vous dis la paix est un combat et il faut des institutions pour défendre cette paix, pour échanger. Et donc je vais remercier Martin Schulz et Bruno Le Maire d'avoir accepté de s'impliquer plus fortement dans ce Centre mondial de la paix en acceptant d'être coprésident. Je pense que la paix en Europe repose sur l'amitié, la compréhension de la France et de l'Allemagne. C'est une certitude absolue. J'ai siégé, comme toi, Bruno, il y a quelques années, dans des conseils européens où se réunissent les ministres d'Europe. Mon voisin espagnol, c'est une langue que je parle un peu, me disait, au retour d'une suspension de séance, « Vous, Français, vous êtes-vous mis d'accord avec les Allemands ?» Je disais, « Oui, ça y est, on a un bon accord. » Alors, il me dit, « Bon, ben, ça va, l'Europe a choisi. » Et donc, alors, c'est moins vrai maintenant, mais ça reste un élément fort. Et c'est la raison pour laquelle je remercie très sincèrement et Bruno Le Maire et Martin Schulz d'avoir accepté de patronner par leur nom, leur expérience, leur image, et un tout petit peu de temps que l'on vous prendra, et ainsi qu'en témoigne votre disponibilité d'aujourd'hui, ce Centre mondial de la paix, parce que si nous voulons rendre hommage aux combattants de toutes les nationalités qui sont morts ici sur cette terre, la meilleure façon de le faire, c'est quand même de construire la paix qu'ils auraient tant aimé connaître pour avoir une vie à l'image de la vôtre, une vie de promesse, et non pas une vie d'échec. C'est notre devoir. La commémoration, c'est bien. La construction de la paix, c'est pas mal non plus. Merci d'en accepter d'être les partenaires. Alors, cette séquence, elle va s'animer simplement avec une prise de photo. On va remettre officiellement à M. Bruno Le Maire et M. Martin Schulz ce diplôme que vous voyez à côté d'eux. Donc, on va leur demander de le porter pour la photo, si cela est possible. Il sera signé tout à l'heure, juste après cette séquence. Les coprésidents ont aussi reçu des cartes de visite à leur nom, et ainsi que des masques de coprésidents d'honneur du Centre mondial de la paix qui sont disposés sur les tables. Et je vais demander à M. Longuet, le président du Centre mondial de la paix, de bien vouloir offrir à chacun des coprésidents l'ouvrage « Les 300 jours de Verdun ». Et enfin, le dernier petit cadeau, c'est la médaille du Centre mondial de la paix qui a déjà été reçue par Martin Schulz et qui est donc offerte par Gérard Longuet à Bruno Le Maire. Alors, on va faire une dernière photo avec Martin Schulz et Bruno Le Maire autour du tableau de Nicolas Rousseau qui est restitué à la France ce soir. Donc, on va avancer légèrement le tableau pour faire cette photo. Bien, on va laisser Monsieur le ministre, Monsieur Martin Schulz pour la séquence qu'ils vont avoir à l'extérieur. Et je vous remercie, ça signe la fin de cette séquence ce matin, la fin de la première masterclass de la semaine exceptionnelle franco-allemande et européenne du Centre mondial de la paix. Nous nous retrouvons à 13h30 exact, ça veut dire qu'il faut se préparer un petit peu avant, dans cette salle pour suivre le débat avec Martin Schulz. Et vous tous, vos questions qui seront nombreuses, j'en suis persuadé. À tout à l'heure.